Lorsqu'il s'agit de prendre soin de sa peau et d'être présentable, le rasage peut vite devenir un problème, et ainsi nuire à nos activités. François Terrel. Mort ! Nous nous sommes déjà tous sentis aussi bêtes, ayant l'impression d'avoir fait pire que mieux en sortant de la salle de bain, le visage plein de rougeurs et de coupures. Heureusement, grâce à Manscaped, dites adieu aux mauvaises surprises. Assurant déjà le bonheur de plus de 9 millions de gentlemen à travers le monde, Manscaped est d'abord connu pour ses célèbres rasoirs électriques. Aussi bien ceux qui s'occupent du haut que ceux qui s'occupent du bas. Mais ne soyons pas réducteurs, car Manscaped, c'est aussi des produits d'hygiène, de douche et des boxers de première qualité. Rien de tel pour bien entretenir et mettre en valeur la machine. D'ailleurs, parlant de machine, la marque présente justement un petit nouveau, le Handyman. Et ne vous arrêtez pas à sa taille. Rasoir compact, il est doté d'une lame double unique. Rasoir en aluminium standard d'une part, longue lame vibrante d'autre part, laquelle lui permet de venir à bout de 3 jours de pouce sans le moindre effort. De quoi s'assurer chaque matin d'un look soigné et élégant, d'autant que le Handyman est bien entendu équipé de la technologie SkinSafe, qui réduit le risque de bobo tout en étant waterproof. En mesure d'atteindre n'importe quelle zone du visage grâce à sa petite taille, il est facile à ranger et à transporter, même lors de nos voyages, tandis que sa batterie, dotée d'une heure d'autonomie, ne nous fera jamais de mauvaises surprises grâce à son indicateur de charge. Bref, si tout comme moi, vous vous déplacez beaucoup et que vous avez besoin d'un look propre et élégant pour vos activités, le Handyman de Manscaped est fait pour vous. Que vous vouliez sécuriser votre visage ou vos bijoux de famille, croyez-en mon expérience, il s'agit de machines qui n'ont pas fini de faire parler d'elles. Bénéficiez de 20% de réduction sur Manscaped grâce au code IronQuest. Lien du site en description. Ouais. François Terrel. Alors non, c'est à côté. Mais par contre, il est parti il y a un an, quoi. Voilà. Je vous remercie. Ouais. J'arrive. Allez, on lâche rien. Pas mal l'arrivée. Je veux un fit, tes vues et ton manteau. Ouais. Le mot magique ? S'il vous plaît. Ouais. Bah écoute, on est parti. Yippie-kaï, mes braves, et bienvenue sur un épisode d'Histoire musclée très particulier, puisqu'aujourd'hui, nous n'allons pas discuter de l'histoire du corps, mais plutôt de celle d'un média prompt à le glorifier, le cinéma d'action. Source de motivation pour les uns et de divertissement pour les autres, le genre n'a cessé d'évoluer depuis ses débuts pour embrasser une série de métamorphoses calquées sur celles de notre société. Loin d'être anecdotique, son histoire est donc bien plus complexe qu'il y paraît, et quel meilleur compagnon pour traiter un tel sujet que ce brave François Terrel ? Entre discussion et anecdote, c'est parti pour un retour au temps des actionneurs. Qu'est-ce que le cinéma d'action ? Une question simple pour une réponse qui ne l'est pas vraiment. Car loin de se résumer à un simple défouloir sorti tout droit des années 80, le genre dispose au contraire d'ancêtres prestigieux qui nous ramènent aux origines mêmes du cinéma. Tout commence à New York, en décembre 1903, avec la première projection du vol du Grand Rapide.
Le public n'en a pas vraiment conscience, mais il s'apprête à vivre un moment doublement clé dans l'histoire du grand écran. Car non content d'être le pionnier des westerns américains, le court-métrage pourrait bien revendiquer la paternité de Rambo et de Terminator. Célèbre pour les réactions qu'il a suscitées chez ses spectateurs, notamment effrayés par ce plan rapproché d'un desperado brandissant son revolver face à eux, il sera considéré par certains spécialistes comme le tout premier film d'action de l'histoire. Le vol du Grand Rapide figure à ce titre parmi ceux qui ouvrirent la porte à tout un univers de productions plus ou moins nerveuses et violentes, lesquelles avaient pour point commun d'accorder une place de choix aux prouesses physiques de leurs personnages. Et ce, dans des genres aussi variés que les films policiers, de KPDP, de guerre, d'arts martiaux ou même les films burlesques. Il suffit à ce titre de se remémorer les acrobaties démentielles du légendaire Buster Keaton, qui met encore aujourd'hui à l'amende bon nombre de cascadeurs parmi les plus chevronnés. L'action cinématographique occidentale évoluera ensuite au fil des années, continuant à embrasser différents styles et connaissant notamment un âge d'or dans les années 50. Ce sera la première période propice aux culturistes, qui commencent à bander fièrement leurs muscles dans toutes sortes de péplums américains et italiens haut en couleur, donnant ainsi naissance aux toutes premières stars d'action musculeuses et stéréotypées du cinéma, telles que Steve Reeves, Gordon Mitchell ou encore Reg Park, qui deviendra, soit dit en passant, le héros absolu d'un certain Arnold Schwarzenegger. Et si les années 70 exploreront une violence plus sèche, réaliste et haletante, façon Dirty Harry ou French Connection, les années 80, quant à elles, portées par la présidence de Ronald Reagan, reviendront aux biceps glorieux et saillants, symbole parfois bas du front d'une Amérique triomphante et portée par un cinéma dont les moyens et effets ne cesseront de devenir toujours plus impressionnants. L'actionneur, dans sa forme moderne, était né. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les physiques de culturistes, à ce sens-là, étaient cantonnées au genre du péplum. Plus ou moins uniquement, quoi. Mais le héros d'action de hollywoodien par excellence de l'époque, c'était John Wayne, qui a popularisé un type d'action où je prends mon élan pour mettre une patate pendant 3 secondes, je prends bien mon élan, je mets... Donc c'était vraiment cette espèce de truc à l'ancienne de la baston et du héros physique américain, triomphant, qui est juste littéralement rigide, droit dans ses bottes, et qui est juste une sorte de rock. C'est pas très aérien, on va dire, comme manière de gérer le corps, mais c'est cette lourdeur sur d'elle. Ensuite, il y a des figures un petit peu différentes qui sont arrivées. Enfin, Steve McQueen, les cascades qu'il faisait lui-même dans La Grande Évasion, dans The Getaway ou des films comme ça où le mec était passionné de sport automobile. Mais lui aussi, il avait vraiment un engagement physique qui était très... C'est quoi le mot? Présent, très engagé. Ouais, très sincère, je dirais. Ouais, surtout. Parce que ça, on va en parler. Mais c'est là-dessus qu'on voit qu'il y a vraiment un fossé entre cette ère-là, l'ère suivante avec les héros réganiens, et l'ère actuelle. C'est vrai que la période des années 80 dont tu parles, des héros réganiens, c'est quand on pense cinéma d'action, physique musculeux, États-Unis, tu penses aux années 80, tu penses vraiment au triptyque Schwarzenegger, Stallone, Van Damme ou Willis, selon les trucs. Parce que ça a cristallisé un truc. Le cinéma, c'est un outil de propagation d'idéologie, pour pas dire propagande. Ouais. Et ça a été vraiment le cas dans les années 80 pour les États-Unis, où après la débandade de la guerre du Vietnam et une sorte de truc très sombre qui s'était joué, il y avait cette envie de bander les muscles, littéralement. C'est ce que j'avais envie de te dire, mais moi je pense surtout à Stallone. Tu vois le fossé qu'il y a entre Rambo 1, Rambo 2. Ouais. Rambo 2, où il va nous refaire la guerre du Vietnam à lui tout seul. Rambo 3. Qui a une saveur tout à fait particulière, puisque t'es sur du gros nanar. Et il y a un truc qui me faisait vraiment marrer sur ce film, c'est l'outro avec le petit texte. Je sais pas si tu vois, ce film est dédié aux valeureux combattants d'Afghanistan. Et quand tu vois l'histoire des États-Unis, ce genre de choses vieillit assez mal hors contexte. Ouais. Avec Stallone, c'est vraiment la quintessence du truc. C'est que non seulement ça s'est affirmé, mais Rocky et Rambo, les personnages de base, étaient le contraire de ça. C'est des personnages de laisser pour compte. Il y a un commentaire social assez fort. Bon, Rocky sur la misère sociale. Rambo sur le retour des vétérans maltraités par la société, par le rejet, par la société qui les a envoyés se faire désinguer au front, mais qui en fait n'en fait rien quand ils reviennent. Donc ils sont vraiment abandonnés par absolument tout ce qui constituait la mère patrie, l'appartenance, sentiment de patriotisme. Du coup, en fait, Rambo à la base, le personnage, c'est l'inverse de la manière dont il était instrumentalisé par les années Reagan, effectivement. Normalement, ça aurait même pas dû être le cas, puisque la vraie fin, enfin le vrai script de Rambo 1, à la fin, Trotman le tue. Ouais. Avant d'aller voir le 5, on s'était maté cette scène dont on connaissait pas l'existence, et ça nous a fait un truc, quoi. Tu sais, il y a presque une sorte d'uchronie qui se dessine où là, c'est le monde en fait, où Rambo est mort, et un autre paysage cinématographique peut émerger. Après, ensuite, Stallone a du mal à tuer ses personnages, même à la fin de Rambo 5. J'étais persuadé que
Enfin, t'as Rambo sur son rocking chair, il est en train de se vider de son sang, c'est la fin. Et t'as la scène post-crédit où il se barre sur son cheval, pour toujours laisser cette porte ouverte. C'est un problème, il faut faire un kill bra à Stallone pour qu'il arrête de faire revivre ses personnages. Creed 1, la fin, c'était la porte de sortie idéale pour faire entrer le personnage dans la légende, mais de la manière la plus parfaite possible. Non. Ça s'est vérifié aussi dans différentes sphères du cinéma d'action. Par exemple, le cinéma d'arts martiaux, ou le cinéma de castagne. Bon, les Van Damme, les Seagal, les trucs, les machins. Van Damme, c'est un bon exemple de ça aussi, un artiste martial. S'il est aérien, si vraiment on est sur quelque chose de l'ordre du kung-fu, du karaté ou quoi que ce soit, il y a une sorte de côté félin qui doit bouger assez vite, donc il est incompatible avec un physique lourd. Et Van Damme avait un physique ultra lourd. Ultra lourd, c'est le mot adéquat pour décrire le physique de Jean-Claude Van Damme. Pourtant, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le Belge n'était pas, mais alors pas du tout prédestiné à connaître un tel destin, comme l'explique avec des mots très durs son ancien entraîneur, Claude Goetz. Il était raide comme un piquet, myope comme une taupe, et laid comme un pou. Et alors il était très peureux, il avait l'air d'une victime en fait. Enfant chétif et timide, pour ne pas dire malingre, il démarra le sport sous la contrainte de son père avant d'y prendre goût pour progressivement devenir le couteau suisse sportif que l'on connaît. Combattant, bodybuilder et même danseur de ballet, il excellera dans une multitude de disciplines et parviendra même à cumuler le meilleur de chacune. Un physique de rêve, d'impressionnantes compétences martiales, une élégance souple et fine. Un ensemble de dons rarement vus ensemble qui lui permettra, une fois sa carrière lancée, de jouer des personnages à la fois physiques et aériens sans même avoir à prendre ou à perdre de poids. Il était en quelque sorte un modèle d'équilibre physique, équilibre qui fera d'ailleurs défaut à beaucoup de ses collègues, tel qu'Arnold Schwarzenegger. Ça me fait penser aussi à ce dont je t'avais parlé, le fait que Arnold, ils l'ont fait perdre du poids pour qu'il ait un côté plus félin, un côté plus polyvalent pour jouer Conan. Bah, on en parlait de la différence entre Terminator 1 et 2. Il est super massif dans le 2, mais il n'avait pas un physique de bodybuilder. Il a un physique de culturiste. C'est un modèle plus passe-partout de T-800. C'est un modèle. Voilà. Exactement. C'est la V2. Mais c'est vrai que ces années 80 ont cristallisé ça. Mais après, ça fonctionne par phase. Il y a eu un désintérêt, plus ou moins, de ça dans les années 90. Notamment, les figures de proue commencent à vieillir. Les gens ont envie de voir autre chose. C'est là qu'il y a des films comme Speed, par exemple, qui ont un énorme succès, avec des acteurs plus classiques qui deviennent qui s'illustrent dans des films d'action. Mais on n'est pas encore à l'étape des transformations physiques au sens où on le conçoit aujourd'hui. Ouais. C'est que t'as une physicalité apportée par des acteurs traditionnels, comme on en a parlé, mais Kevin Costner qui fait du street workout dans Waterworld pour établir son bateau et faire un drapeau. Et après, t'as vraiment sur ces années 90 tout ça qui se dessine en parallèle d'un cinéma d'action d'arts martiaux qui reste très classique aux États-Unis. Mais parallèlement à ça, t'as tout ce truc des acteurs plus traditionnels qui vont sur ce cinéma d'action et ça aboutit dans l'apothéose qui a été Matrix. Ouais. Il y a quelque chose qui était assez prophétique puisque tu parles de la césure qu'il y a eu dans les années 90, c'est Last Action Hero, film qui porte parfaitement bien son nom. Puisqu'au final, c'était un bide, alors que bah, c'est un film qui est oui, somme toute très très ouais, excellent et qui n'a pas du tout marché. Et justement, au niveau politique aux États-Unis, c'est à ce moment-là qu'il y avait eu du changement. Bah, c'était la fin des années Reagan. Ouais. T'avais les démocrates qui étaient passés au pouvoir. Et bah, c'est comme tout un symbole, le cinéma musculeux, le côté Amérique forte qui est traditionnel. Ouais, ouais, mais de toute façon, c'est cool un petit peu. Le cinéma, de toute façon, ça dessine en filigrane ce qui est en train de se passer dans la société. C'est pour ça que ça fonctionne par effet de fascination puis de fatigue par rapport à certains phénomènes. Et les années 90, il y a eu un retour à des physiques plus classiques, j'ai l'impression, dans les figures d'action qui ont été mises en avant. Mais aussi parce que. Dans les années 80, en fait, l'image qui dégageait et le storytelling qui sont créés autour, c'est que c'était des dieux, si tu veux. Les personnages de Stallone, de Schwarzenegger et tout ça, c'était des personnages de comic book auxquels tu peux pas t'identifier. Sauf qu'au bout d'un moment, les gens ont envie aussi de s'identifier. Les années 90, on est passé sur ce truc où c'était des gens un petit peu, enfin dire des everyday people. Déjà avant ça, il y avait Bruce Willis qui arrivait sur ce créneau-là. Il était un petit peu à mi-chemin, j'ai l'impression, entre les physiques bodybuildés de ces mecs, Stallone et tout ça, ouais, tout en faisant partie de cette team, mais en incarnant des personnages qui étaient en fait toi et moi, quoi, juste des gens qui regardent les films et qui vont voir ce mec, John McClane dans les Die Hard, qui est juste un mec qui n'a pas envie d'être là, qui est pas forcément juste taillé ou qui a un physique idéal, mais qui a du charme et qui peut s'en sortir à force de... Et là, on entre sur un autre créneau qui est vraiment le côté... C'était cool, les héros, les dieux et machin, mais on a envie de s'identifier. Et on est passé vraiment, j'ai l'impression, dans l'inverse dans les années 90. Et à partir des années 2000, il y a eu une sorte de balance qui s'est créée
où au début des années 2000, il y a eu aussi un shift énorme avec la mémoire dans la peau, Jason Bourne, où là, il n'y a pas de transformation physique apparente, mais là, ils ont pris vraiment un acteur classique pour le transformer en une bête d'action martiale. On n'est plus sur un cinéma d'action de façon speed, mais on est là, on est sur le créneau des arts martiaux, une nouvelle manière de filmer en shaky cam, et une manière en fait de rendre crédible aux yeux des gens un acteur comme Matt Damon, qui absolument s'était jamais illustré dans l'action, mais le faire passer pour l'équivalent d'un putain de Van Damme, quoi. Et là, soudainement, on entre dans l'identification vraiment des gens accessibles qui deviennent, qui accèdent à quelque chose d'extraordinaire. Et on entre dans un storytelling un petit peu différent. Matt Damon ne sera pas le seul comédien à profiter de cette démocratisation des rôles d'action. Keanu Reeves, par exemple, d'abord connu pour des drames et des comédies, deviendra progressivement l'une des grandes figures de cette mouvance, que ce soit avec Point Break, Speed, Matrix ou encore la série des John Wick. Le tout sans afficher de transformation physique extraordinaire. Le virage sera également emprunté par d'autres acteurs de la même génération, comme Liam Neeson ou encore Robert Downey Jr., lesquels étaient surtout connus pour leur finesse dramatique. Néanmoins, force est de constater que cette transition opérait à sens unique. Car si les héros d'action devenaient plus humains et physiquement réalistes, les acteurs aux dimensions surhumaines, quant à eux, avaient bien du mal à trouver leur nouvelle place. Par symétrie, t'as tous les acteurs qui étaient enfermés dans des rôles musculeux qui n'ont jamais réussi à s'en extirper. T'as eu des tentatives par la comédie, plus ou moins réussies. On parlait de Arrête où ma mère va tirer, film excellent pour tous ceux qui connaîtraient pas. Excellent, ouais. c'est quelque chose à voir, c'est une expérience. En tout cas, en niveau de transformation physique inversée, il y avait eu Copland, ouais. Qui était un film qui était très sympa, je trouve. Stallone joue quelque chose d'assez différent, un personnage qui cette fois-ci a des failles. Qui s'est avachi, qui est vraiment... Voilà, tu sens le mec... Fatigué, quoi. Voilà, et c'est bien joué, le film est cool. Pour autant, les gens sont allés voir un film avec Stallone, ils voulaient du Stallone, ils voulaient du super-héros. Ouais. Et c'est pour ça que le film a bidé. Ça, c'est dommage, parce que ces acteurs-là se sont retrouvés piégés dans des rôles. Et au moment où il a fait Copland, il a dit « je veux plus jouer que des rôles comme ça, c'est bon, c'est mon créneau », sauf que l'industrie ne l'a pas laissé faire, et après, il est revenu avec Get Carter et des films comme ça, et après, son comeback avec Rocky VI et tout ça. En fait, c'est marrant, ça fonctionne vraiment par vagues, parce qu'il y a ce storytelling autour des gens normaux qui peuvent devenir extraordinaires, donc le rapport du spectateur au film devient différent. Il y a eu, donc, La mémoire dans la peau, il y a eu... 300 qui arrivaient. Et là, on est entré dans une phase où, en fait, les transformations d'acteurs au sens la diète qui est faite, le régime alimentaire, le type d'entraînement, ça a popularisé le crossfit, comme on a dit tout à l'heure. Ouais. Là, ça a été mis en avant parce que les transformations étaient si ahurissantes de la part d'acteurs qui n'étaient pas forcément des gens taillés pour à la base, genre Michael Fassbender, Butler, David Wanham. Ils ont été entraînés, ils ont suivi ce camp d'entraînement et, en fait, partie du succès du film a été axée autour de cette transformation. Et aujourd'hui, sur Internet, on le voit bien, tu étais bien passé pour le savoir, dans la sphère fitness, ce qui fonctionne super bien, c'est le storytelling autour d'une transformation du corps. Mais c'est des physiques qui ont été perdues aussi vite qu'ils ont été gagnés, en revanche. Ouais. C'est là que tu vois la différence aussi avec les acteurs d'antan, où tu avais des gars passionnés qui en voulaient vraiment. Schwarzenegger, on va pas revenir dessus, hein. Le type, c'est un des plus grands champions de culturisme. Mais Stallone, qui avait sa marque de compléments alimentaires, qui pratiquait depuis une vingtaine d'années, Van Damme, qui a été culturiste. Ils aimaient tous s'entraîner, tandis qu'après, t'as des acteurs que tu vas entraîner pour des rôles, mais c'est vraiment une part du boulot. C'est ça. T'as plus rien derrière, ce qui fait que c'est pour ça que t'as du yo-yo, en fait. On entre dans l'ère, en fait, des corps à géométrie variable. Et 300 a marqué un shift à ce niveau-là, j'ai l'impression, parce qu'on est entré aussi dans toutes les dérives que ça suppose. Mais après, c'est pas qu'au niveau du cinéma, c'est un truc sociétal, ou sur l'usage des réseaux sociaux, l'image de soi, les images irréalistes de soi dans toute la culture Insta et des réseaux sociaux qui s'est mise en place. La mauvaise communication aussi autour des transformations des acteurs. Dans un contexte pas forcément d'action, il y a Christian Bale qui dans l'imaginaire du grand public, a été vraiment aussi un chiffre dans les transformations d'acteurs, où il est passé en fait du machiniste à 52 kilos à Batman. Il n'arrête pas de faire des yo-yo et c'est un truc qui est forcément ultra dangereux pour la santé. Je me demande comment il est encore en vie en fait. C'est chaud. L'avant après est terrible. Mais ça, les conséquences, ils n'en parlent pas. Parce que contractuellement, je pense qu'ils n'ont pas forcément non plus le droit d'en parler. Mais il y a un truc un petit peu chelou qui se met en place dans le fait de « Tiens, je me suis transformé pour le rôle, regardez à quel point j'ai sué pour vous. » Il y a un truc du « Je mets aussi en avant un storytelling autour du boulot que je fais autour de l'investissement dans un personnage et tu crées une mystique en fait à travers le changement autour de ton boulot d'acteur et de la création artistique. Surtout Bale en fait, Bale, parce que là il reprend 60 kilos pour le film, il va perdre 20 pour faire Danteur là. Bah c'est ça, ouais. Alors, tous ces films c'est ça, c'est même plus sa prestation. Mais au final. T'as certains acteurs qui cherchent aujourd'hui à s'émanciper un petit peu de ça.
Déjà, on avait discuté l'autre fois avec Jackman, qui n'aime pas s'entraîner, mais qui fait ça uniquement vraiment parce, enfin, quand c'était nécessaire pour ses rôles. Et là, je crois que c'était Robert Pattinson qui refusait de prendre de la masse pour The Batman. Au-delà d'un certain degré, parce qu'il en a pris quand même. Ouais, mais il refusait d'être bulky à la Batfleck, quoi. Ouais. Bah après, c'était aussi pas le délire du film faire un bulky, quoi. Non, non. Mais il aurait pu être un peu plus massif, ça aurait pas été déconnant, tu vois. Ouais. Non, c'est sûr. Mais en tout cas, ouais, c'est les années ensuite 2000-2010, on revient en fait à une hypertrophie. Parce que à travers cette culture des réseaux sociaux, la culture de l'image, une sorte de truc court-termiste, on en vient à des physiques de plus en plus irréalistes à travers les transformations d'acteurs. Donc on revient en fait à cette hypertrophie des années 80, mais pas vue différemment. Dans les années 80, on était sur une hypertrophie de gens inaccessibles qui étaient hors de la réalité. Et là, maintenant, on est sur une hypertrophie qui donne l'illusion d'être atteignable et d'être en fait accessible aux spectateurs. Alors que c'est tout l'inverse. Et quand un film sort, on te vend le film, on te vend le régime alimentaire et le programme d'entraînement de l'acteur qui a fait sa transformation. C'est un pack, en fait. Et de plus en plus, là, c'est... Puis on te donne une durée, comme si c'était un produit, que t'allais faire ça pendant 6 mois et hop, tu vas choper les bras de Thor ou des trucs comme ça. C'est ça, mais... exactement. Sur plusieurs points, je trouve ça extrêmement pervers, parce que de un, les méthodes utilisées sont pas les mêmes. Comme on disait, c'est pas des types passionnés, c'est des gars qui vont avoir le médecin derrière, le chimiste, l'entraîneur. Et bon, le chimiste, bien évidemment, quand tu vois les transfos de certains à Hollywood, bon. L'un des exemples les plus brûlants de ce manque très hollywoodien d'honnêteté n'est autre que l'interprète de Wolverine, Hugh Jackman. Alors que les suppositions allaient bon train concernant l'identité de son successeur, l'acteur de 55 ans a été annoncé à l'affiche du prochain Deadpool. S'il s'est souvent illustré dans des rôles très physiques, encore récemment dans le milieu de la comédie musicale avec The Music Man, Jackman n'est pourtant pas un grand amateur de musculation, comme il l'a très bien expliqué dans les colonnes du magazine Men's Fitness en 2011. S'entraîner pour des rôles et de l'argent, d'accord, mais ériger la chose en tant que plaisir ou mode de vie, sûrement pas. C'est là son droit le plus strict, mais il y a un mais. Le comédien a en effet détaillé sur les réseaux sociaux le régime alimentaire qu'il suivait pour son retour en Wolverine. 8000 calories de nourriture saine par jour pour un poids de corps dépassant péniblement les 80 kg. Des chiffres fantaisistes, à peine assimilables par des strongmen carburant aux anabolisants, et surtout, très éloignés des standards d'un pratiquant naturel de musculation dans sa cinquantaine. A titre de comparaison, Arnold Schwarzenegger ingérait environ 4000 calories par jour lorsqu'il était culturiste pour un poids de corps avoisinant les 110 kg. Les chiffres sont très éloquents et témoignent d'un malheureux travers de l'industrie. Mettre en avant le poulet et les brocolis en quantité industrielle pour dissimuler au grand public l'usage de substances illicites. Un usage malheureusement encouragé par le système pour offrir aux spectateurs, sans aucun contexte ou pédagogie, des modèles physiques de plus en plus irréalistes. Peut-être que ce truc un petit peu justement inaccessible, de sorte de dieu humain dans la manière dont il s'était mis en scène, faisait que, au contraire, ça allait moins créer de dérives peut-être, parce que de toute façon, c'était « non, mais c'est leur truc. S'ils se piquent, c'est leur truc, ça me concerne pas, on n'est pas dans le même univers de toute façon. » Aujourd'hui, justement, ce truc de l'accessibilité et ce fait de tous ces gens, en fait, qui sont complètement irréalistes, jouent la carte, en fait, et l'image de bons potes ultra accessibles qui sont toujours sur tes écrans, t'as l'impression de cette proximité qui est ultra trompeuse. Ce qui fait que ça donne effectivement ces signaux de « ouais, bah, y a pas de souci. » Ce qui fait qu'il y a plein de jeunes qui se lancent aujourd'hui et qui vont avoir recours à plein de trucs qu'ils ne contrôlent absolument pas, sans avoir de retour de garde-fou, quoi. Cela dit, ce que je trouvais sympa dans les films des années 80 aussi, dans tous ces films d'action, c'est que tu avais l'omniprésence du training montage, tu vois. Ouais. Où tu... Bah, c'est con, mais tu les vois s'entraîner. Tu vois, je trouve un Rocky beaucoup plus motivant qu'un Rocky 1, par exemple, bien sûr, qu'un Avengers. Et pourtant, Rocky 1, c'est un physique naturellement qui est tout à fait... Enfin, tu peux tout à fait l'obtenir. Rocky 2, pareil. Rocky 3, il est sec. Ça commence à devenir... Il est sec, mais tu peux... Enfin, tu peux pas le maintenir ad vitam. Néanmoins, ça me paraît jouable. C'est ça, après, on en a parlé, Rocky 4, mais... là, c'est en fait, il a mis en scène Stallone quelques-uns des Rocky, et notamment le 3 et le 4. Et comment, quant à ton boulot de metteur en scène, sachant le temps, l'énergie que ça te demande, comment sur un truc aussi long qu'un tournage de ce type, tu maintiens un physique comme ça, quand t'es aussi l'acteur, en fait. Surtout qu'au-delà de l'entraînement de muscu, il y avait l'entraînement de boxe. C'est ça qui force vraiment le respect. En plus, c'est un truc qui se fait sécher, la boxe. Ouais, bah, puis il avait fini à l'hôpital avec une côte pétée sur Rocky 4. Apparemment, il s'est blessé sur tous les Rocky. Mais ouais, en fait, ça a été une affaire de cycle, j'ai l'impression, depuis les années 80. Et là, on parle exclusivement de cinéma américain, mais c'est parce que, comme je le disais, le cinéma, c'est un outil idéologique. Et de fait, par notre contexte culturel et ce dans quoi on a évolué, bah, les grandes figures à ce niveau-là, ou les gens qui
C'est issu de société de malins. De fait, on a été beaucoup moins exposés à des questions de physique venant d'ailleurs. Après, il y a tout le cinéma hongkongais et compagnie et, ouais. et japonais, mais le rapport dans un style très différent. Très, très différent. Et même nous, les héros d'action dans le cinéma francophone, c'est ouais. des gars, enfin, pas lambda. Mais niveau ouais. physique, c'est passe-partout, quoi. C'est Belmondo par exemple. C'est le bon Bébel. Mais après, il y a... On a aussi la notion d'acteur physique. C'est difficile à définir, quoi. Parce que, par exemple, Dujardin est arrivé, il a fait les OSS, on lui dit que c'était un acteur physique. Comment t'arrives à définir ça? C'est ce que tu dégages? C'est une sorte d'investissement où tu sens qu'il y a quelque chose? C'est très compliqué. C'est pas une question d'avoir un physique hyper développé. C'est une question vraiment de manière de jouer, d'investissement. Pio Marmaille, il a ça aussi, il a ce côté... Bah, puis c'est des notions qui évoluent, quoi. C'est pas forcément des définitions qui sont figées dans le marbre, donc selon l'époque, selon la perception, tu évolues. Mmh. C'est vrai qu'il y a moins, il y a eu quelques-unes de ces transformations en France, mais c'est plus culturellement, c'est moins ancré. Ou ça a fait figure d'exception, j'ai l'impression. Je crois que c'est Roger Zem qui avait pris un physique de bodybuilder pour je sais plus quel. Non, quand tu me parles de bodybuilder dans les films français, je pense au Cornio. Ah, putain de merde. Cette scène légendaire. Ah oui oui. Bah voilà. Oui. Attends, c'était en Cornio, ça. Putain, j'imagine ça, la grande vadrouille. Ah, c'est... Pourquoi. Attends, c'est le Cornio ou la grande vadrouille? Je sais plus. Bah, ça doit être le Cornio, effectivement. Il me semble. Ouais. Qui fait jouer de ses pectoraux. Mais ouais, c'est dangereux aujourd'hui, parce que on est dans une industrie de l'illusion. Après, c'est pas aussi forcément la faute des mecs. Ils sont pris dans un circuit aussi, où pour réussir, tu dois être dans un certain état d'esprit. Tu dois accepter certains trucs, on te met face à des deadlines et face à des temps pour achever ces transformations qui sont invraisemblables. Cela dit, ils sont super entourés. Ils sont super entourés. Et ils ont des médecins, surtout. Parce que tous ces trucs-là sont super dangereux. Complètement. Et... Mais bien sûr, ils peuvent pas en parler en public. Ils vont pas dire... C'est ce qu'on disait, comme The Rock. The Rock qui ose expliquer en interview qu'il a jamais pris de stéroïdes. Alors que le type, à 30 ans, il avait déjà un physique archi-massif, mais un peu gras. Il se retrouve à 50 ans, plus 20 kilos de masse, 20 kilos de gras en moins. Ouais. Il a changé son poulet. Et passé sur du bio. Ça fait des miracles. Ouais, putain, et c'est. On en parlait aussi, mais c'est avec Pain and Gain qu'il a changé vraiment de carcasse et qu'il a atteint son physique actuel. Sur justement un film sur les dérives du bodybuilding. Oui. Notamment sur les dérives du bodybuilding. Au moins, il était dans le thème, c'est bien. Ah, il était méga dans le thème. Je pense pas qu'il a conscience de l'ironie de la chose. Peut-être que si. Mais il essaye de faire, d'avoir une destinée à Arnold. Il a lancé ses propres championnats de sport, ses propres machins. Il essaye vraiment de faire pareil. C'était dans Welcome to the Jungle, le film où il y a Arnold qui fait un caméo au début. Il le croise à la sortie d'une boîte et en gros, il lui fait un passage de témoin. Bon, c'est toi maintenant qui as les clés. Tu t'occupes du cinéma d'action. Un peu présomptueux. Un peu présomptueux, mais pourquoi pas. Parce que des films iconiques de Dwayne Johnson... Iconique, le scorpion, bien entendu. Mon Dieu. Bah, en fait, la notion de film iconique aujourd'hui est complètement différente parce que les films iconiques ne peuvent pas sortir dans le même contexte qu'ils pouvaient sortir dans les années 80. Le marché n'est pas le même, notre degré d'attention n'est pas le même, la manière dont on conçoit ce qui est iconique ou pas n'est pas le même, notre rapport au temps court et au temps long n'est pas le même. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de trucs iconiques au sens du temps long. Et en plus, on n'a pas le recul pour savoir aujourd'hui de quoi si ça va être le cas ou pas. C'est très compliqué de savoir s'ils ont fait vraiment des trucs iconiques au sens où on considère, nous, certains films des... C'est le temps qui le dira, ça, de toute façon. C'est ça. Après, je j'ai pas des trucs extrêmement mémorables avec The Rock. Il y a des bons films. Oui, mais... il a fait des très bons trucs. Bah, Be Cool ou tout ça, des films où il a même pas joué, pas des films d'action. Ouais. Avant, justement, de retourner dans l'action après Pain and Gain, où avec ce physique-là, il est resté que sur des trucs, justement, des films d'action ou des comédies d'action. Avant, il a quand même... Il a fait Certain Tales de Richard Kelly, qui est un film qui a bidé de ouf, mais qui est fascinant. Et il fait un vrai travail d'acteur dedans. Be Cool aussi, qui est la suite de Get Shorty, il fait un vrai travail d'acteur dedans. Donc il y a un moment où c'est comme Vin Diesel, quoi. Il y a un moment où il a fait une sorte de... Je vais peut-être vraiment me développer en tant qu'acteur. Non, en même temps, voilà. J'ai une vie, j'ai une famille, j'ai un train de vie, machin. Je vais peut-être rester sur ces choses-là et développer un business plus que... Mais ouais. Mais voilà, on parlait de Thor aussi, mais Chris Hemsworth, c'est pareil. Là, pour Love and Thunder, le dernier Thor, il a atteint un physique de Golgoth. Ah, mais lui, de toute façon, quand tu regardes le premier Thor, le deuxième... En fait, à chaque Thor, il a un type de masse différente. Mmh. En fait, à chaque fois, il bosse un petit peu différemment la masse, ou être un peu plus cut, ou un peu plus massif comme le dernier. Mais à côté de ça, il fait la promotion constante de son appli Centerfit,
où sur Instagram, il va te montrer comment tu utilises Centerfield, comment tu atteins un physique vraiment super cool. Et il fait ses petites pompes et ses squats à vide. Et tu dis, et la plupart, il y a des gens, je suis sûr, qui pensent que c'est comme ça que tu atteins son physique. Tu fais des petites pompes et des squats à vide. Cela dit, ça peut avoir un intérêt, hein, les ados qui vont le suivre, ça leur fera bouger le cul. Surtout aux États-Unis. Ah non, mais bien sûr. Non, mais sur le fait de promouvoir le sport et l'activité physique, ouais, entièrement. Après, c'est mais c'est après, c'est le truc du mec, avant. Enfin. Explique peut-être un peu plus clairement ce qui est atteignable ou pas en termes d'objectifs. Sachant que dans le premier tour, il avait déjà un physique excellent, exceptionnel, pour un mec naturel. Là, tu regardes les images du dernier tour, moi j'étais persuadé, enfin, j'avais du mal à me dire que c'était lui, quoi. Il y a vraiment un physique à faire Olympia, quasiment. Pas les Olympia modernes, mais pas les catégories bodybuilding. Le mec a 40 ans. Mais... Ouais, mais c'est dingue. C'est... Plus ils vieillissent à Hollywood, plus ils prennent. C'est... Mais quel est leur secret ? École Stallone. Mais Stallone qui est... Enfin, il va exploser dans Rocky Balboa, alors qu'il a 60 berges. Mais il s'est fait choper avec des hormones de croissance en rentrant du tournage de Rambo 4, je crois. Ah ouais ? Ouais. Alors, Rambo 4, il était... c'est là où il a été le plus massif, je pense, de toute sa carrière. Mmh. Il était vraiment... Mais il en parlait en interview, il disait... Putain, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais c'était intenable, en fait. Tu sais, quand il est dans une carcasse qui est plus... T'es presque dans la carcasse d'un autre, finalement. Bah, puis, comme il est toujours avec son t-shirt, limite, il fait gros. Ouais, c'est ça. Il y a un truc à Vachy, mais on est un peu sur un truc typé Copland. Effectivement, il y a toujours ce côté, c'est un fatigué, juste. Voilà, tandis que dans Rocky 6, quand il se retrouve en short, là, t'es, putain, la montagne. L'héritage de ça, finalement, je le vois pas réellement. Parce que l'héritage de ça, c'est un certain esprit et ce côté icône inaccessible, si tu veux, qui sont dans un univers tellement différent parce que c'est pas des humains, c'est des personnages de comic book. Il n'y a pas de ça, en fait. Après les années 80, il n'y a plus ça du tout, quasiment. Ouais, bah, il y a eu des tentatives de faire renaître un petit peu ce type de cinéma. Bah, il y a eu Expendables. Ouais, mais on est sur un truc beaucoup plus humain, où c'est des personnages vieillissants. Ouais. On est sur un passage du temps, et on est toujours dans ce truc de l'accessibilité. Rendre avant tout les gens humains, et tu peux t'identifier à eux. Hmm. Bon, Stallone, tu peux pas t'identifier là, dans Expendables. Tu vois, au niveau de... Plus que les acteurs, au niveau du retour d'un cinéma un peu plus ancien, un film qui aurait pu sortir dans les années 80. Où on parlait aussi de Rambo 5, qui, malgré ses défauts, c'est typiquement un film construit comme Stallone aurait construit les anciens Rambo. Après, en termes de type d'action et en termes de type de narration, je suis entièrement d'accord. Mais après, c'est plus la nature des personnages. On a atteint un truc assez... Je pense que ces personnages dans les années 80 sont vraiment des purs produits de leur temps. Et il n'y a jamais eu quelque chose de semblable après. Parce qu'on ne peut que faire des choses à la manière d'eux, où tu reprends un petit peu la surface de ce que c'était, mais des personnages et ce qu'ils symbolisaient aux yeux des gens, le monde a tellement changé en fait. Oui, la société n'est... La société n'a rien à voir, et le rapport à l'identification, le rapport à moi, et moi dans tout ça, le rapport à le storytelling de je vais complètement me transcender, et juste l'ascension sociale, et on est abreuvé et abruti chaque jour de ce truc, cet impératif à... Développez-vous, soyez des entrepreneurs de vous-même et développez ce corps-là. Et on est vraiment dans cette accessibilité factice de tous ces trucs qui sont vendus aujourd'hui par toutes ces transformations hollywoodiennes. Mmh. Et ça témoigne d'un truc qui va bien au-delà du cinéma. Il y avait eu des news qui étaient tombées récemment aussi. Enfin, tu parlais d'évolution sociétale et des conséquences que ça peut avoir sur le ciné. Il y avait la série sur Conan, on en avait discuté aussi, qui a été annulée par Amazon. Mmh. Pour raison de masculinité toxique. Mais qu'est-ce que la masculinité toxique ? Concept que l'on retrouve en psychologie, la masculinité toxique regroupe les différents stéréotypes masculins considérés comme ayant un impact négatif, tels que l'agressivité, la domination exacerbée ou encore la dissimulation des émotions. Des comportements qui peuvent être délétères non seulement pour les hommes qui en sont porteurs, mais aussi pour ceux qui les entourent, et donc pour la société. Si d'autres traits virils, tels que la recherche de l'excellence, l'ambition, le courage ou la dévotion, échappent légitimement à la définition universitaire, le concept est parfois étendu à tort et à travers, notamment dans le milieu du cinéma. La série avortée basée sur le personnage de Conan le Barbare est à ce titre un exemple particulièrement intéressant. Écrite par le scénariste Ryan Condal, showrunner de House of the Dragon, le projet devait à l'origine s'inscrire aux côtés de The Rings of Power pour faire de Prime Video la plateforme reine de l'heroic fantasy. Deux projets, deux licences légendaires, une série familiale, l'autre adulte. C'était très bien pensé, d'autant qu'il est difficile d'imaginer meilleur candidat que Conan pour porter une série de fantasy mature sur le petit écran. Du moins, jusqu'à ce que la responsable d'Amazon Studios, Jennifer Salk, ne s'insurge contre la masculinité toxique qui émanait du script. Le tout sans plus de précision.
Comme le laisse supposer son travail sur House of the Dragon, et bien que le contenu du script n'ait pas fuité, on peut penser que Ryan Condal s'est efforcé de rester fidèle à l'esprit des nouvelles de Robert Howard. Un récit froid, mettant en scène des personnages brutaux dans un monde hostile et sans pitié, où la loi du plus fort est souvent celle de rigueur. Pour autant, et au-delà de cet emballage, Conan n'est pas la brute épaisse que beaucoup imaginent. Bien qu'étant l'archétype du guerrier, le Cimmérien est aussi un homme civilisé, instruit, ouvert aux autres cultures, tandis qu'il deviendra au fil de ses aventures un souverain juste, parfois très social et aimé de son peuple. Bref, un personnage très viril, cela va sans dire, mais dont la toxicité reste à démontrer. Tout l'inverse d'un James Bond des origines, authentique, beauf misogyne, qui ferait passer OSS 117 pour un gentleman et dont la psyché s'est adoucie au fil des interprètes pour aboutir au personnage sombre et torturé de Daniel Craig. Quitte à éloigner considérablement ce dernier, au fil des 5 volets et après un départ très flemingesque, de ce qu'il était à l'origine. Autant créer d'autres personnages à ce moment-là. Ah bah non, c'est quelque chose qui a un héritage de... Mais là, on est dans les dérives de l'industrie actuelle, qui est juste une industrie juste fondée sur la nostalgie factice, qui te revend des trucs que tu connais déjà, parce qu'on est dans le court-termisme, mais il faut choper l'attention des gens. Du coup, des trucs, tu balances un hochet qu'ils connaissent déjà. Du coup, au lieu de créer de nouvelles vraies icônes ou des choses qui sont dont on pourra dire, tiens, ça, c'était un truc des années 2020. On ne fait que réactualiser de manière factice des trucs. Ça fonctionne pas, ça. Comme tu dis, c'est factice. Et j'ai l'impression qu'ils vont finir par se rendre compte que c'est un coup d'épée dans l'eau, leur truc. Ah, mais ils le savent déjà. Mais au bout d'un moment, il y a un cynisme qui est tel à ce niveau-là qu'ils s'en ont totalement conscience. Mais au bout d'un moment, c'est l'industrie. Et puis, tant que ça rapporte, de toute façon, c'est ça qui dicte la règle. Bien sûr. Tant que ça fait du blé, de toute façon, ils n'ont pas de raison de changer ça. Au contraire. Du coup, c'est cet héritage de ce cinéma d'action des années 80, Reaganien, c'est compliqué. Parce que ça dépend de tellement de choses qui sont plus du tout de l'ordre de la sphère du cinéma. C'est vraiment une évolution sociale, une évolution culturelle mondiale. Bien malin celui qui devinera le futur des héros d'action, perdu dans une époque où le cinéma est plus que jamais ballotté par les questions sociétales et leur récupération politique. Une chose est néanmoins certaine, dans cette période où le numérique est tout puissant et où l'image peut être manufacturée de A à Z, le rapport au corps et à la réalité physique est de plus en plus précieux. En témoigne par exemple le cas de Tom Cruise, véritable vampire soit dit en passant, dont les performances physiques bien réelles sont devenues à elles seules un argument marketing. Finalement, quel que soit le contexte ou le degré technologique, on en revient toujours au même fondement, dont l'actionneur était, est et restera le temple, le corps en mouvement, et ce qu'il a à nous raconter. Et voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, et si tel est le cas, je vous invite, si vous le voulez bien, à le manifester comme vous savez le faire, à grands coups de like, partage, commentaires et autres abonnements. Un grand merci à mon bon François de m'avoir accompagné lors de cet échange, ainsi qu'à French Food Porn et à Ganesh 2 pour leurs interventions en début de vidéo. Je vous rappelle d'ailleurs que vous bénéficiez en ce moment de 20% de réduction chez Manscaped, leurs rasoirs sont vraiment sympas, premier degré, ainsi que de promotions diverses et variées chez mes autres sponsors tels que MyProtein, Beast Performance ou encore UniStrength. Tous les liens et les informations associées étant bien sûr en description. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout de mon blabla et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon entraînement, un bon film et à vous faire des bisous. Hasta la vista, baby. We'll be right back.